être avec nous sur Radio J. Alors Claude Moniquet, pourquoi est-ce que les renseignements américains et les renseignements israéliens ont choisi de révéler cette information sur cette menace d'une attaque de l'Iran sur Israël? Qu'est-ce que ça nous dit de l'ampleur de cette menace justement? Ça nous dit qu'effectivement, la menace, on sait qu'elle existe. Hein. La riposte de l'Iran à la frappe de la semaine dernière sur le consulat à Damas est inéluctable. D'une manière ou d'une autre, et un jour ou l'autre, elle aura lieu, ça tout le monde le sait. La seule question, c'est la forme qu'elle prendra et le moment où elle se passera. Et s'il y a eu cette mise en garde publique et pas mal de communication publique, puisque les Américains ont fait savoir qu'ils ont demandé à leurs alliés du Moyen-Orient, leurs alliés arabes donc, de mettre en garde l'Iran et de lui demander de ne pas procéder à une escalade. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que des différents renseignements font penser que des frappes iraniennes sont effectivement imminentes, ou pourraient être imminentes, c'est-à-dire une question d'heures ou de deux, trois jours, pas de mois, ni de semaines. Et deuxièmement, c'est évidemment une mise en garde à l'Iran, un rappel qui a d'ailleurs été refait par Joe Biden hier à Tokyo, quand il a déclaré dans une conférence de presse avec le Premier ministre japonais que le soutien des États-Unis à Israël était un soutien de fer et que cette position ne varierait pas. Claude Moniquet, cette mise en garde, elle intervient effectivement au moment de la guerre qu'Israël mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il faut lier l'un et l'autre ou pas? Je pense que ce sont deux choses différentes. Deux différentes. Elles sont évidemment liées. La situation au Moyen-Orient étant ce qu'elle est, la frappe israélienne qui a eu lieu la semaine dernière visait à casser un lien essentiel entre l'Iran et le Hezbollah, alors que le Hezbollah, depuis le 7 octobre, se livre à des attaques d'ailleurs assez limitées sur la frontière nord. Donc il y a un lien. Mais c'est en même temps deux choses différentes. On le voit très bien d'ailleurs dans la position américaine. Depuis quelques jours, depuis une semaine à peu près, les Américains prennent des distances avec Israël sur la manière dont la guerre est menée à Gaza. Mmh. Et des distances de plus en plus claires, nettes et fermes. Et en même temps, hier, il y a la réaffirmation de l'alliance de fer entre Israël et les États-Unis face à la menace iranienne et de l'engagement des États-Unis à défendre Israël contre une attaque iranienne. Donc on voit bien qu'il y a un lien, évidemment, il y a un lien régional, il y a un lien politique, il y a un lien militaire stratégique, mais en même temps, les deux dossiers sont traités tout à fait différemment, en tout cas par l'administration américaine. Et pourquoi, Claude Moniquet? Mais parce que il y a deux raisons. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner sur le fait que les États-Unis soient prêts à défendre Israël contre l'Iran. Israël, c'est un des grands satans, mais pour les Iraniens, mais les États-Unis aussi. Ils sont en fait sur la même ligne de front depuis 40 ans face à la révolution islamique iranienne, et ils ont subi directement ou indirectement les mêmes attaques. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est la distance qui est prise par les Américains sur l'opération à Gaza. Et là, ça rejoint une réflexion que se font beaucoup d'amis d'Israël ou d'alliés d'Israël, y compris en Europe, qui est de dire que la stratégie israélienne à Gaza est peu lisible et, contrairement à ce que disent les autorités israéliennes, ne donne pas les résultats escomptés. Rappelez-vous les deux buts de guerre, libération des otages et éradication du Hamas. Les otages, il y en a plus de 100 qui ont été libérés par des négociations, et seulement 3 par l'action armée de Tsahal. Donc, on voit bien que ce but est inatteignable, comme d'ailleurs on le disait depuis le début. Hein. Et deuxièmement, l'éradication du Hamas. Alors, le Hamas a beaucoup souffert, mais tous les chefs du Hamas sont toujours vivants, les chefs importants. Yahya Sinwar, notamment. Sinwar, Haniyeh et tous les autres. Ce sont des seconds couteaux importants, mais des seconds couteaux qui ont été éliminés jusqu'à présent. Et il est probable que sur les victimes à Gaza, à peu près la moitié, c'est-à-dire à peu près 15 000 sont des combattants du Hamas, mais ça veut dire qu'il reste toujours à peu près 15 000 combattants du Hamas en état de servir. Cette stratégie peu lisible n'atteint pas les résultats qui ont été promis par le gouvernement israélien,
Et c'est ça que les Américains soulignent. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'Israël se lance dans une nouvelle phase de la guerre, c'est-à-dire avec des opérations plus ciblées? On ne sait pas encore ce qu'il en sera de Rafah, c'est impossible de le savoir pour l'instant. Mais est-ce que c'est pour ça qu'Israël change de stratégie? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie? On ne pourra le dire que sur le moyen terme. Il y a eu effectivement le retrait de nombreuses troupes israéliennes du sud Liban. Est-ce que c'est un retrait définitif? Est-ce que c'est un retrait qui est juste dû à la nécessité de recomplément, de laisser se reposer des troupes et de les mettre un peu à distance du combat? Ça, on le verra. Le fait qu'il y ait des opérations ciblées parallèlement à la guerre, quelle que soit la forme de la guerre, a toujours été une certitude. On savait très bien que, comme beaucoup de chefs du Hamas ne sont pas présents physiquement à Gaza, parce qu'ils ne sont pas fous, et ils tiennent à leur petite santé, plus qu'à celle de leurs concitoyens en tout cas, on savait très bien qu'il y aurait un jour ou l'autre, à un moment ou l'autre, des frappes, soit à Gaza, soit ailleurs, sur des dirigeants du Hamas. Donc c'est pas vrai, c'est pas vraiment une surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit un changement de stratégie. Concernant justement cette information hein, qu'on a appris, trois des fils du chef du bureau politique du Hamas qui ont été tués dans une frappe ciblée alors qu'ils étaient en route pour mener des actions terroristes. Ça s'inscrit dans les frappes ciblées dont vous parlez, mais il y a une espèce de zone grise parce qu'il s'agit aussi de trois des fils du chef du bureau politique du Hamas, donc ça a aussi des implications politiques importantes. Comment lire cet événement? C'est effectivement une situation intéressante. D'abord, la première chose à souligner, je crois, c'est que le fait que trois des fils de M. Haniyeh soient membres importants de la direction du Hamas montre que le népotisme auquel se livre M. Haniyeh et le fait que le Hamas est aussi une petite entreprise, enfin une grosse entreprise familiale qui vise probablement aussi à générer des trafics et des bénéfices dont jouissent la famille et les dirigeants de la famille de Khanieh ou de Sinoir et des dirigeants du Hamas. Ça, c'est une chose et c'est pas très étonnant. Maintenant, effectivement, il y a dans cette frappe une double chose, je dirais même un triple objectif. L'élimination de cadres importants du Hamas, premièrement. Deuxièmement, l'élimination tactique de gens qui s'apprêtaient à commettre apparemment un attentat ou à le commanditer. Donc là, on est dans une opération militaire tactique classique à court terme. Et puis troisièmement, un signal très net, un rappel qui est envoyé à Haniyeh et aux autres dirigeants Du Hamas. du Hamas. Rappelez-vous que je crois que c'est Netanyahou, Monsieur Netanyahou, qui avait dit le 8 octobre, le 9 octobre, les membres du Hamas sont des hommes morts, tous. Et ça, c'est un rappel. Il n'y a pas les comptes, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'issue de la guerre, quelle que soit la stratégie qui est utilisée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais sur le moyen ou le long terme, même s'il sera impossible d'éradiquer le Hamas, parce qu'on n'éradique pas une organisation insurgée de ce type, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il continuera à y avoir des dégâts extrêmement importants et qui limiteront d'autant les capacités d'action du Hamas. Claude Moniquet, vous qui êtes expert en contre-terrorisme et aussi spécialiste des questions internationales, il est souvent fait la comparaison entre Israël qui frappe à Gaza et les opérations de la France, notamment à l'étranger, notamment à Mossoul, contre le groupe de l'État islamique. Est-ce que ces comparaisons vous semblent valides d'un point de vue tactique et d'un point de vue politique? Alors je pense que ces comparaisons sont valides et on pourrait d'ailleurs comparer ce qui se passe à Gaza à beaucoup de choses. En fait, Gaza, ce n'est pas une opération antiterroriste, hein, c'est une guerre totale et c'est une opération de contre-insurrection. Or, si on examine l'histoire militaire des 60 dernières années, après des opérations qui ont eu lieu au Kenya et en Indonésie dans les années 50 et au début des années 60, aucune puissance occidentale n'a jamais gagné une guerre insurrectionnelle. Que ce soit en Algérie dans les années 60, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, on n'a jamais gagné.
On ne peut pas gagner contre une insurrection, parce qu'une insurrection, un mouvement terroriste, c'est quelque chose d'assez réduit, qui compte quelques dizaines, quelques centaines, et éventuellement quelques milliers de membres. On peut l'affaiblir très fortement, voire le détruire totalement. Une insurrection, c'est des dizaines de milliers d'hommes, et ça s'appuie sur un tissu social profond. Et c'est aussi une idée. On ne détruit pas une idée et on ne détruit pas une insurrection. On peut la réduire, on peut faire baisser le niveau de dangerosité, et c'est ce qui se produira probablement. Mais je crois que c'est dans ce sens-là que la comparaison est intéressante, et elle devrait peut-être pousser, alors je ne suis pas là pour donner des leçons à Sall et à ses dirigeants, hein, je n'avais pas les compétences, mais cette comparaison historique, parce que les militaires se nourrissent d'histoire, devrait peut-être un peu nourrir la réflexion de la direction militaire israélienne. Toute dernière question, très rapidement, Claude Moniquet. On parle beaucoup de l'après à Gaza et apparemment, on a peu d'informations là-dessus, ou en tout cas, ça avance très peu. C'est là que se trouve le nerf de la guerre pour Gaza, l'après ? Alors, je pense pour Israël, pour Gaza, pour les Palestiniens de manière générale, pour la région entière, la véritable question, effectivement, c'est l'après. Il est évident qu'il faudra à un moment donné d'abord reconstruire Gaza, puis voir comment Gaza sera géré. J'imagine qu'il est impensable et que personne, à part quelques extrémistes, n'y pense en Israël, de reprendre un contrôle israélien total de Gaza. Donc il faut laisser une autonomie à Gaza, ce qui pose une question. Qui va gérer Gaza d'une part ? Quelle sera l'attitude et le retour éventuel du Hamas ? Et puis ça pose plus généralement la question du conflit israélo-palestinien, qu'il faudra un jour ou l'autre régler politiquement. Quoi que qu'en disent les extrémistes palestiniens, qui sont aujourd'hui malheureusement très nombreux, quoi qu'en disent les extrémistes israéliens, parce qu'il y en a aussi, même s'ils s'expriment différemment, et heureusement ils sont moins nombreux, cette question fondamentale devrait être réglée. Et la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas la régler d'abord pendant la guerre, ça c'est évident, et même après il faudra prendre énormément de précautions, d'une part pour s'assurer que la solution soit pérenne, et d'autre part aussi pour que personne ne puisse s'imaginer dans le monde arabe et en Palestine en particulier, chez les Palestiniens en particulier, que c'est une conséquence du 7 octobre. Parce que si c'était cela qui ressortait, et c'est ce que le Hamas dira, si c'était cela qui ressortait, ça voudrait dire que c'est une victoire politique majeure pour le Hamas, et ce serait un extrêmement mauvais signal envoyé à l'ensemble du monde arabe dans un monde qui est un monde difficile. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes expert notamment en contre-terrorisme et en questions internationales. Merci Eva, à vous et à votre invité Claude Moniquet. On vous retrouve Eva à 9h pour tout le point sur l'information.